Allez, salut à tous, c'est Early Access, c'est parti. Allez, cette fois-ci, Star Survivor, mais version Early Access, et plus démo. Donc on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans le jeu, je pense. Alors, mode campagne, alors c'est à moitié traduit. Card to your deck. Ok, select the ship, pre-build, deck, ok, et endless, ok. On va faire le mode campagne, puis on verra plus tard. J'ai fait nouvelle ou j'ai fait continuer? J'ai pas fait gaffe. Ah, j'ai fait continuer. Alors, on va faire nouvelle. Demi-tour. Démarrer. Tu peux pas... Je veux redémarrer. Voilà. Donc avec le SS survivant. Voilà. Allez, c'est parti. Ça a l'air d'être le... truc différent. Alors, et pourquoi c'est entouré de roues? C'est ça qui est bizarre. Peut-être la difficulté ou autre. Donc là, j'ai quoi? Dans le secteur, ok, gas cloud, ion storm, 3, ok. Et le... la quête, c'est quoi? Y a pas la quête, là? On verra bien. Allez. C'est parti avec notre vaisseau. Bon, cette fois-ci, on pensera à mettre les lasers devant. Objectif, récupérer 75 XP, de gemmes d'XP. Faudrait-il qu'il y ait des ennemis? Bon, ça va, c'est le canon qui tire facile. Alors, donc, oh, ils ont changé le... On peut choisir le type d'upgrade qu'on veut. Oh, pas mal. Weapon, on va prendre, bien sûr. Donc, Party Collider, Fire, two particles that explode in contact with each other. Fusil électromagnétique. Les gros canons puissants qui peuvent percer et enflammer. Les gros canons. Allez, on va faire ça. On va le caler sur le côté. Oui, c'est vrai que c'est l'or. Tu peux récupérer l'or. Ouais, donc le canon. Oh, il tire pas souvent. J'aurais dû le mettre devant aussi, celui-là. Mais bon. Il est moins grave. C'est... Le laser était vraiment pas pratique de l'avoir sur le côté. On va reprendre une arme. Donc, fusée électromagnétique. Barrière ionique. Déploie des drones à laser ionique connectés qui ralentissent les cibles. Laser atomique. Laser explosif qui endommage les ennemis. Devant. Voilà! C'est bien maintenant de l'avoir devant. Alors quand il se déclenche. Oh le carnage que ça va être. Je vais regarder un petit peu équipement quand même ce que c'est. Donc plus 1 la vitesse, des processeurs, bouclier régénératif qui absorbe les dégâts. Et 20 points de vie maximale. Je vais augmenter le bouclier. D'accord, il faut que je décide où je vais le mettre. Donc ok, ça prend des emplacements aussi. On va le mettre devant. Ok. Alors, et l'upgrade. Bouclier régénératif, donc plus chance de tir. Chance de tirer quand une explosion ionique se produit. Et plus une seconde de durée du laser. On va prendre ça. Ah, le laser qui se déclenche là, c'est... Et au bon endroit, c'est bien. Ah, le carnage là. Plus pratique. Ok, allez, on va prendre des armes. Canon d'assaut, lance-flamme, gros canon puissant qui peuvent. On va prendre le canon d'assaut. Alors, est-ce que ça dit précision projectile, hein? On va prendre attaque speed. On va prendre attaque. Hein? Je suppose que je vais le mettre de ce côté-là. Ok, mais il tire toujours dans la direction. Ok. Bah, l'XP gagné, là, ça va vite. Hein. Ok, des lasers persistants. On va les mettre sur le côté. Si jamais on se fait agresser sur le côté, ça te défendra. Ok. Équipement, peut-être, pour changer un peu.
bouclier qui absorbe les dégâts. Je vais le mettre de ce côté cette fois-ci. Ok, on a fini le niveau. Je vais prendre mon arme. J'ai le droit à quoi? Laser mobile aléatoire qui détruit tout sur son passage. Bon, on va le mettre devant. Un laser devant. Ah non, c'est lui, d'accord. Ok. Allez, récompense. Allez, longueur des lasers, c'est bien. C'est pas la longueur qui compte. Pardon. Destroy 14 astéroïdes, ça va être long ça. Il faut récupérer 225 XP. Et faut détruire 21 astéroïdes. Bon gentil. c'est quoi station marchande? Ben, on va faire comme ça, allez. On ira à la station marchande ou on ira au-dessus, on verra. Bon, il est très fun, hein. Je pense qu'à mon avis, il doit avoir des builds de psychopathe à faire. On va voir si est-ce qu'ils ont prévu qu'on puisse déplacer les... Bon, j'ai besoin encore de... Repousse les ennemis dans la zone d'effet. Ok. Tourelle rafale imprécise à ciblage automatique. Combo. Gaz atomique plus point de défense. Le missile, oui, fixed range. Ah, j'hésite là. Je vais prendre ça, allez, pour tester. On va le mettre sur ce côté. On va voir ce que ça donne. Je détruis des astéroïdes, non? Oui. Faudrait vraiment que le laser il soit là plus souvent. Augmenter le temps de recharge. Faudrait que je prenne des upgrades pour ça. Ok, le laser qui fait son taf. Tu perds des thunes. Surtout qu'on va avoir un magasin jusqu'avant. On va prendre des upgrades. Vitesse d'attaque. Le fusil électromagnétique. Zone d'effet, on va prendre ça. Ah, j'ai plein de dégâts sur le bouclier. Ok, j'ai détruit tous les trucs. Maintenant, c'est les crédits qu'il faut que je récupère pour finir la zone. Ok. On va reprendre une upgrade. Beam speed. C'est le rayon divin. 1% de chance d'enflammer. Allez. Ok, l'aspirateur. Upgrade. On va s'en profiter. Plus de dégâts. Laser atomique, c'est lequel? C'est le gros. Hein. On va en profiter, c'est le début. Vitesse du cadran. La bustuette, c'est celle que j'ai de base, non? Ah non, il nous dit où c'est. Droite, gauche, droite. Après, ok, on a fini. Ok. Alors, j'ai quoi? Short range, ion de 10-20. Expansion slot. Un emplacement de plus à gauche. On va prendre plutôt ça, hein. Plus d'emplacement. Plus on a d'armes, mieux c'est. Est-ce que je vais au shop d'abord? J'ai combien de thunes? On va peut-être aller au shop, on va voir. Ok. Oula, je pourrais pas prendre grand chose.
va le mettre par là. J'ai bien envie de prendre le canon, le foutre devant. Et on va dire que c'est bon et on va relancer. Ok. Ça c'est quoi ça? Kill 2 à Cherry. Ok, bon allez hop. Je vais au plus rapide, hein. Comme la dernière fois. Je vais pas farmer. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ok, j'ai les missiles qui... Ah oui, d'accord, mais ils mettent des flammes. Je prends des dégâts dans les flammes, tiens. C'est la question que je me pose. Tiens, je vais prendre des upgrades. Plus électromagnétique. Shield recharge ou... Ah, c'est pas ouf, hein. Ignorer, ça fait quoi? D'accord, j'ignore complètement le truc et je perds le... l'upgrade, ok. Ils sont là-haut. Plein d'XP là, je vais les prendre. Ça n'a pas été terrible, mais mon bouclier qui va se recharger normalement au bout d'un moment. J'ai l'impression que j'ai un moins bon truc que ce que j'avais la dernière fois quand j'avais découvert le jeu en version démo. Aïe, putain, les deux boucliers qui m'ont pris là, pourtant j'étais loin. Prendre une arme de plus. Laser thermique perçant. Dommage. C'est devant que je voudrais. Toile à impact. Ciblage automatique. On va la mettre de ce côté. Ok. Alors, j'ai le droit à quoi? Autoloader. Plus 10 projectiles upon attack speed. All equipment upgrade. Ah oui, ça upgrade pas mal de choses là. Longueur des lasers, booster speed. Je vais prendre ça, hein. Ça a l'air d'être plutôt pas mal quand même. Ça booste énormément d'armes. Alors, putain, à chaque fois ça met là-bas en bas. Faut survivre 210 secondes et tuer 550 ennemis. 750 ennemis. C'est zap ça. Allez, hop. J'ai l'impression que les temps de chargement sont plus rapides que dans la version démo. J'ai l'impression que les trucs avec visée automatique... à prendre des upgrades, parce que je crois que je suis plein, là. J'ai que derrière, je crois qu'il reste. Chance de diviser, 10% de chance de diviser le projectile. Sans aller, le cadran... La zone de cadran d'équipement upgrade. Comme ça, hein. Ah oui, d'accord, les boucliers, je vois, c'est les trucs bleus autour de moi. D'accord. Je pensais qu'ils étaient plus loin, mais ok. Faut vraiment qu'il me touche pour... Okay. Pour le moment ça va. Je pense qu'il faudra augmenter les dégâts là. J'ai déjà, je pense, suffisamment de protection.
Il faudra une petite augmentation de dégâts de l'ensemble des équipements. Voilà, c'est le bouclier qui a pris. Pas très grave. Quoique je pourrais prendre des armes pour les côtés que je voudrais virer, que je trouve pas terrible. Et mettre des canons à la place. C'est peut-être mieux. Genre les deux lasers. Genre prendre un arme. Canon. Ah, ils ont trois projectiles missiles explosifs de poursuite longue portée. Ça c'est pas mal. Et je le mets à la place de du laser là. Qui est pas ouf. Alors faut que je choisisse. J'ai pas le choix. Voilà. Oui, oui. Replace. Aïe. Pareil, je vais... Oups. Lance des disques en spirale, personne alternée qui explose. Déploie des drones de combat qui attaquent les cibles proches. Dommage explosif dans un cône. Ça, et à la place de... Et quoi qui est pas terrible de ce côté? Ça, c'est quoi? Fusion électromagnétique, il est bien. Ouais, la rafale, non, c'est le truc électromagnétique qui était pas terrible, donc on remplace. Ça, c'est sympa de pouvoir remplacer. J'aurais peut-être pu mettre derrière aussi les drones, enfin les petits vaisseaux. Ça, c'est sympa, vraiment pouvoir changer les armes et tout. Ça, c'est plutôt cool. On prend un bouclier, on s'en fout. Et on a les explosifs. Le petit vaisseau qui me suit, il a du mal. C'est trop rapide. Peut-être mettre une arme derrière serait pas mal là déjà. Je sais pas ce que je vais mettre, mais on verra. Le gros laser là, je pense qu'il est pas terrible. Comme il tape tellement aléatoirement, enfin et au hasard, c'est pas ouf. Je vais reprendre une arme et je vais voir le virer ce laser. Repousse les ennemis dans la zone d'effet. Fighter Squadron, encore un autre. Derrière, on fera deux. Mes dégâts. J'ai foncé un peu dans le tas. Là, je pense que je manque de dégâts là. Il faudrait que j'augmente les dégâts de. Ok, on a terminé. On va voir ce qu'il va me proposer selon. Ah, météorite. Ah, tous les drones. Chance de tirer. Laser atomique. Ça, c'est à l'avant. Ah, j'ai les deux canons qui. Chance de tirer. Un ennemi est enflammé, mais je l'enflamme pas. Les deux escadrons feraient plus de dégâts. Prendre ça, qui font plus de dégâts. On va essayer de voir un petit peu s'il faut pas plutôt augmenter la... Bon, oh, putain, détruire les astéroïdes. Quand je vois les trucs à faire, je vais... On va essayer de récupérer une arme pour le devant, pour virer le gros laser. Puis après, il faudrait peut-être des upgrades pour augmenter les dégâts. Le laser fait le taf, mais ce serait bien que le laser se déclenche plus souvent. Bon, on est pas mal, hein, on fait pas mal de dégâts. Hein. Bon, le laser fait le taf, hein, c'est surtout lui, le gros le laser devant. J'ai pas vu ce qu'il m'a flingué, mais ok.
On va pas gagner grand chose. D'accord, les marques ils se sont adaptées. Comment tu trop. Vous avez qu'à pas venir m'agresser, hein. Il ne reste plus beaucoup d'astéroïdes à déglinguer. Allez, allez, un shop après. Enfin, trouver un shop, ce serait bien. Allez, une arme pour virer sud devant. Canaillon à 3 projectiles. Ouais, je vais le mettre devant à la place du gros. C'est pas le laser atomique. Rayon, c'est le rayon divin. Non, c'est lui ou pas? Oh, j'hésite. Canon d'assaut. Non, c'est pas le laser atomique qui est tout pourrable là. Je sens que je vais me tromper, je vais prendre le bon. Et je crois que je me trompe, mais c'est pas grave. Et je me suis trompé, j'ai pas pris le bon. J'ai pas pris le bon, c'était l'autre. Il faut garder l'atomique et il faut virer le divin, c'est ça? On verra. Bon, de toute façon, je pense qu'on pourra le récupérer. C'est le divin qu'il faut que je vire. Dommage. Après, ça va, je gère. Hein. Même s'il n'y a pas l'autre laser, les lasers... Ouh. Les lasers bleus font le taf. J'ai pris quoi? Il va mourir, lui, là-devant, là, qui m'attaque, là, qui m'agresse. Non, c'était bien raison. Attends, un laser mobile aléatoire. Ouais, il faut que c'est lui qu'il faut, faut virer. Dommage explosif dans un cône entourant le navire. Canon flak, ça peut être pas mal ça. À la place du rayon. Ok, allez, fais voir. Donne-moi, qu'est-ce que tu me donnes? Laser atomique, il est de retour. Bah, c'était pas l'arme, c'était une upgrade. Zut, dégoûté. Shop. Les trucs qui boostent tout là, le bouclier, chance de se déployer quand un drone est détruit. J'avais envie de prendre ça, ça était pas mal. La vitesse d'attaque, et on va arrêter. On va faire l'astéroïde ou les hatcheries. Bon, on va aller faire les hatcheries. C'est pas grave, au pire, on vira le canon flak. Où je verrai le truc triangulaire, c'est pas très grave. On va voir la puissance du canon flak s'il est bien. Oula. Ouf. Peut-être le canon flak a l'air d'être pas mal, mais je vois pas se déclencher souvent. Allez, donne-moi le bon truc. À la place des petits... la place de lui, je pense.
sont moyens, je trouve. On va faire ça. Je suppose que dans certains vaisseaux, ça doit être plus intéressant d'utiliser. Aïe. C'est que les bouclier qu'ils prennent, ça me va. Zut, je me suis trompé, c'est pas grave. Short range, ion, discharge. Ouh, peut-être pas mal ça. À la place de l'autre. Missile balistique, voler une missile balistique à ciblage aléatoire, mais j'en ai déjà. Combo. Trident ionique. D'accord, ils nous disent quand il y a des combos, mais je vais mettre à la place de ça. Oui. Mutualisation là-bas, aspirateur, voilà. Upgrade, on va commencer à regarder un peu. Des dégâts, plus de dégâts, plus de... Ok, ou... Plus de boucliers. Oh, ça me ferait passer à 4 boucliers. Oh oui. Ah oui. Je prends. Okay. Ouh, les boucliers qui ont fait ah, j'ai mal. C'est moi qui les fait exploser grâce au laser là. Ah, les petits qui foncent dessus, c'est eux hein, les plus dangereux hein. C'est eux qui me font le plus de dégâts à chaque fois. J'étais mort comme ça à cause d'eux. Hein. Ok, j'ai tué tout le monde, maintenant faut survivre. Il y a un truc là-bas, j'ai l'impression. Un aspirateur à... Un aspirateur à bulle. Alors quand ils vont arriver. Upgrade hein, là je pense. Hein. On va même pas chercher à comprendre. Hein. Qu'est-ce qui booste le plus? Canon d'assaut. Chance de division du projectile 20%. C'est pas mal. Hein. Pas de 20% de percée, mais 20% de chance que ça se... C'est plutôt pas mal. Chance d'enflammer. Tourelle flaque. Gauche et droite, weapon chance. Chance to tag and on hit. Allez. Ça touche deux équipements. C'est-à-dire que c'est mieux. Ils sont chiants les petits, hein. C'est eux qui me font le plus de dégâts. Allez, quelques secondes à survivre.
Pas grave. Moi, je crois qu'on est réparé entre deux. Allez. 3 secondes. Au revoir tout le monde. Alors. 50 chances quand tu... de chance de tirer quand un projet se divise. Oh là, il se recharge toutes les 9 secondes. Bon, je vais prendre ça plutôt. Là, c'est qu'une seule. Là, il y a deux trucs qui sont... Plutôt prendre ça parce qu'il y a deux trucs qui sont boostés. J'ai posé aucune mine. Pourquoi poser des mines? On détune. Et tu es sur 1050 ennemis. Allez hop. Non, c'était détruire les mines. C'était ça qu'il fallait que je fasse. Je vais encore perdre à cause des petits là. Ils sont difficiles à viser. Bam, il m'a touché. Il faut gagner des thunes là. Tuer des ennemis, gagner des thunes. J'ai rien quasiment, j'ai pas eu grand chose hein, pour augmenter les dégâts. J'ai la possibilité où ça split les attaques, mais c'est vrai que ça monte à plus. Il va mourir lui, parce que ça fait depuis tout à l'heure, je lui en mets plein la gueule là, et il est toujours pas mort. Hein. Il est indestructible ou quoi? Allez, upgrade. Ah, là, il y a 20% de chance d'enflammer. Ok, la flak, le missile de croisière, le canon d'assaut. Canon flak, c'est quoi, weapon radius? Oh. Not fire, positive, damage contact. Et canon d'assaut, je vais prendre ça. Hein. C'est 4 trucs qui vont avoir droit au bonus. On comprend, hein. On va avoir des flammes partout, on va rien voir. Le canon triangulaire, il est pas terrible. Hein, le truc laser, la triple. Il paralyse, mais. J'ai pas l'impression qu'il fasse beaucoup de dégâts. Ouh, non, ça fait un trajet foudre régulièrement sur les vaisseaux qui te suivent. Ouais, le truc derrière, oui. Ceux qui me suivent, je leur mets des dégâts électriques, ouais. C'est pas mal. Ça me protège l'arrière en fait et ça touche plusieurs ennemis. Mais il faudrait que j'augmente ses dégâts. Que là c'est... voilà. Piouf. C'est bien surtout avec les petits parce qu'à mon avis je dois les détruire. Oh, il y a un truc aspirateur à gold ? What? Bon, je vais aller chercher ça. Ah bah, il y a un truc bleu qui était apparu. Aïe. Ça, c'est juste le bouclier. Aïe. Les trucs bleus, c'est quoi? Donc ça, je vais aspirer toutes les golds qui sont sorties. Non, c'est autre chose, ça. Les bleus, c'est quoi? Les aspirateurs bleus? On détruit les... Oula! Ok, d'accord, c'est une upgrade directe.
Ah ben, plus 15 dégâts sur les tourelles flag, je prends. On a un autre là-bas. Si c'est un level up direct, je prends. Hein. Ah ouais, c'est un level up direct, c'est cool ça. J'ai des zones enflammées, pourcent de chance d'enflammer. Taille du projectile. Non, je vais prendre les tourelles flak, hein, encore. Hein. Là, j'ai même pas récupéré encore les crédits nécessaires, ok. Et il y a encore un niveau là-haut. On continue avec les upgrades. Hein. Bon, tourelle flak, hein. 40% de chance d'enflammer, voire plus peut-être même. Les canons qui tirent comme ça en permanence sont vraiment forts. Hein. Les missiles ont l'air d'être pas mal. Même si la tête chercheuse, sont plutôt pas dégueulasses. Et ils ont l'air touchés régulièrement quand il y a beaucoup de monde, donc c'est pas mal. Le petit truc laser paralyse ceux qui me poursuivent, donc plutôt pas dégueu. Aïe. Le bouclier, aïe. Ça va, il se recharge vite. Ok, c'est bon. Fini. Alors. Lance de tirer quand un crédit est ramassé. Ah ben, le Tesla Coil, mais je l'ai déjà, c'est un autre équipement, non c'est une amélioration. Donc on va, il va faire plus de chances de freeze. J'ai envie d'aller là-bas, il faut que je bute quoi, 4 hatcheries, ok, allez. Version 0.1.171, ça va. Il y a déjà beaucoup de monde quand même. Hein. Ok, d'une. Je crois que j'avais perdu là la dernière fois, ou pas très loin. Et là je vois déjà, il y a déjà plein de petits ennemis qui m'arrivent sur la gueule. Cette fois-ci j'ai 4 boucliers donc ça doit, ça va aider. Ouh, un petit aspirateur là. Missile attack speed. Ouh. Temps de tirer un missile. Bon, 5% et 10% de dégâts les canons. Oh non, plus 10 de dégâts pour les canons. Pas mal je pense, hein, non.
0,3 secondes, je suis pas sûr que ça va jouer. Que 10 de dégâts pour deux armes, ça peut être pas mal, je pense. Oula! Il m'attaque, lui! Qu'est-ce qu'il fait, là? Il se prend pour qui? Il nous fait une Star Wars, là? Il me fonce dessus pour essayer de me détruire? Ok, détruit. On va aller au suivant. Enfin... Comment savoir du monde? Ah, et ça, c'est le truc qu'il faut rester dessus. Mais là, j'ai pas besoin d'en faire. Oulala, oulala, aïe, 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 aïe. Il y a un peu beaucoup de monde là. Il y a trop de petits là qui me foncent dessus. Oh là là. C'est bon. C'est bon. Ah 8 8 8 8 8 8 8. Est-ce qu'il va me le compter? Ah, je sais pas s'il va me le compter. Je pense pas. What? Ok, je pense qu'on va le prendre celui-là. Hein. Il a l'air d'être pas mal. Oh, plus 2 arcs, ok. Shield max. Ah, passé à 6 points de vie. Chance de diviser les projectiles de tout le monde. Projectile de weapon, c'est quoi? Attack speed. Je pense que la fragmentation est mieux, non? Parce que tout va avoir de la fragmentation. Et d'autres vont en avoir plus. Donc je pense que je vais prendre ça. 8 équipements qui sont boostés. Il y avait 2 trucs qui étaient bien. On va aller au shop. Puis après on se fera le boss. On verra ce que ça donne. Alors. Gîte 2004. Plus 1 à la portée d'attaque des tourelles. Ouais. Chance de diviser. Oh ben. On va en reprendre un. Danse d'enflammer. Est-ce que je peux reroll? Relancer pour 90. Ouais, je vais reroll. Ah, ça laisse l'emplacement fermé. Oh, encore? Je prends. Et je pense qu'on va prendre la vitesse, là. Chance de pourcent... Ouais, mais c'est bof. On va prendre ça. Ok, allez, go le boss. Cette fois-ci, peut-être que je vais l'avoir. On va attendre qu'il me rende la main. Ok. Kill the boss et faut survivre 390 secondes. D'abord, on va voir. La dernière fois, j'y étais pas arrivé. Ok, j'ai l'impression que j'ai le droit à mes upgrades quand même. Oh bah oui. Bon, et il est où le boss? J'ai l'impression qu'il y a des missiles de partout à moi. Aïe. C'est ça le boss? Faire gaffe au petit. Casse bonbon. Est-ce qu'on va avoir une grande barre de vie pour les... pour le boss? Il me faut des dégâts, hein.
Ça suffit pas de les multiplier les projectiles. T'as l'air d'être lui, mais mis à part poser des bombes, tu fais quoi? T'as l'air d'être costaud, il a des points de vie. Non, là, il vient d'être détruit, c'était le boss. Non, il est pas encore là. Donc, à mon avis, le boss va arriver plus tard. C'est juste un élite, on va dire. Ils m'ont donné quasiment, c'est le flak. Canon d'assaut. Chance de division du projectile 60. Ouais. Yep. Un max de projectiles, ça a l'air d'être bien. Alors, je vois pas d'image du boss. Pour le moment, donc à mon avis il doit arriver à la fin des de la survie. Il y a un aspirateur à bulles là-bas, on va aller le chercher. Autant prendre peut-être quelques niveaux au passage. Si je peux augmenter ma puissance de tir, je peux pas dire non. Ah bah il est là, ça y est. Allez, dégâts. Wow, qu'est-ce qu'il nous fait là? Oh, j'ai l'impression qu'il faut taper plusieurs parties. Ok, il se TP dans le void. C'est moi ou il est ultra immense? Ah ouais, mais s'il me pop dessus aussi, c'est pas terrible ça. On le voit où il va apparaître. Il est là-haut. Putain, même les petits, je mets 15 ans pour les tuer quoi. C'est moi ou il y a des morceaux de lui qui se détachent de temps en temps? Il y a des morceaux de lui qui se détachent. Heureusement que j'ai pris ces boucliers. Hein. Oh putain, j'ai pris tellement cher là. Ah c'est ça, il y a des bouts de lui qui se détachent de temps en temps. Et qui viennent t'agresser. Oh, j'ai les boucliers qui ont fait... chaud, hein, George, là. Il a du point de vie, en plus. Ah, les bruitages tuent les oreilles. Là. On prend un peu d'éclair. Encore un coup. Je vais te mettre au courant, moi, tu vas voir.
Il perd des morceaux petit à petit. Ouh, ça lag. Ouh, ça commence à laguer. C'est peut-être un petit peu trop d'élite au niveau du jeu. Pas un truc pour aspirer les bubules, si, là-bas. On va essayer d'aller le chercher pour prendre un peu de boost. Je peux avoir deux boucliers de plus, je ne cracherai pas dessus. N'importe quoi. Ah, bien sûr, sur le truc, quoi. Sérieux? Oula, j'ai pris des dégâts. Donne-moi des boucliers. Accuracy, précision des projectiles. Onde de choc, Tesla coil. Bon, bah, on va prendre ça, j'ai pas le choix. À relancer, je peux. J'ai l'impression que je peux. J'ai des trucs pour pouvoir relancer plein de fois. Chance d'enflammer. Chance d'enflammer des flaques. Ben, je vais prendre ça. Hein. Et il reste 20 000 PV. On va la voir! Survie d'abord, ensuite boss. Oui. Allez, 10 000 PV, je vais peut-être la voir là. Je suis bien parti pour. Jamais il est devenu tout petit, ouais. En fait je vais péter des morceaux au fur et à mesure. Oula. Ouh, je me casse. Un petit coup d'électricité. Non, ça n'a pas marché. Là. Ah, saloperie. Ah, les trucs qui foncent dessus, c'est horrible. Allez, 4000 PV il lui reste. Aïe, ça va. Quoi? C'est quoi qui m'a touché là? Allez, 3000 PV, à mourir là. Rêve. Allez, il va mourir. Yes. Wouh. Premier boss. Réussi. Attends, il me donne des trucs derrière. Ah non, j'ai eu peur. Ouh, la reine de l'essaim a été vaincue, nous vivons un autre. Nous vivrons un autre. Non, nous vivons un autre jour. Voilà les récompenses. Campagne reward, shoots permanente upgrade. Oh. Ah bah les shields. Les shields, ils ont fait tellement le. Oh, il passera à plus de shields oh, d'entrée de jeu. Oh ouais. Les boucliers, ils ont fait la game, hein. C'est eux qui ont vraiment tout fait, quoi. Enfin bon, non, il est vraiment cool, le jeu. Je pense qu'à mon avis, on doit pouvoir faire des builds avec que peut-être des petits vaisseaux pour attaquer, que avec des lasers ou des trucs comme ça, et je pense qu'on doit pouvoir bien rigoler avec le jeu. Bon, ça confirme vraiment ce que la démo m'avait montré, on va dire, que le jeu est vraiment plutôt sympa. Bon, il y a des petits problèmes de traduction et trucs, mais ça se réglera au fur et à mesure. Donc oui, moi, je le conseille, surtout qu'il est pas cher. Il est vraiment pas cher, hein. Il est à moins de 5€, donc... Et comme la plupart des survivors, c'est des jeux qui sont pas chers et qu'on peut passer pas mal d'heures dessus. Voilà, pour ceux qui regarderont la rediff sur YouTube, comme d'habitude, abonnement, cloche, pouce bleu, commentaire, partagez à tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.